François Boucher. Wow. Et vous, Khadija? Elle. Elle, Lola? Ouais, entre toi et moi. Entre toi et moi? Ouais, entre toi et moi. J'avoue. En vrai, ça peut passer, tu vois, tranquille. Moi, j'étais à ouf. Ouais, ça va, ça va. Moi, j'étais à ouf. Quelle grosse grosse. J'étais à ouf. Ça le fait, mais ça le fait. Je quitte ses cuisses, ça, je l'ai belle de grosse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est un gamin, non, j'avoue, j'ai abusé en fait. Venez, on va autre chose. Vas-y, même si j'ai rien, je la touche pas. C'est mieux, on va autre chose. Ouais. Ça va ou pas? Ça va, ça va.
J'étais nerveuse, ils étaient tous sur moi, c'était abusé. Non mais en vrai, vrai, non, c'est pour ton bien, c'est pas méchant. Ouais, je sais, mais bon, j'ai pas faim, tu vois. Mais déjà, après, en fait... moi, je peux pas prendre... Zoé, déjà, on a remarqué, déjà, là, en ce moment, tu manges pas, tu fumes beaucoup. Et même quand on est au fast-food, t'es tout le temps mal à l'aise, je sais pas, en mode, ça fait un mois, on n'a pas mangé ensemble. Ouais, non, mais je peux pas, l'odeur de la friture et tout, ça me dégoûte, tu vois. Non, j'ai des gros problèmes. Et puis ça. Même, non, je te vois beaucoup regarder les photos des influenceurs sur Insta, etc. Avec Karel, Khadim et tout, on a vraiment marqué que t'étais pas bien. En vrai, Zoé, tu penses pas que t'as un problème en mode anorexie, boulimie? Moi, je connais pas trop, je sais que c'est un problème d'importance. Ouais, je sais pas, c'est un peu fou, tu vois. Je me vois pas comme toutes ces meufs qui se voient grosses dans le miroir. Enfin, moi, je suis juste pas à l'aise avec... tu vois, la nourriture, et quand je me regarde, genre, je sais pas, j'ai un problème, tu vois, avec mon corps, je sais pas, y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, après, si jamais tu veux parler, tu vois, il y a Khadim, Karel, ou bien moi, même, tu sais, on est tes potes, on est tes amis, là, tu peux nous en parler. Hein. Je sais, c'est juste que je pense pas que vous comprendrez, tu vois. Et moi, je connais quelqu'un qui avait ce problème-là, et même, ça aurait pu super mal finir, genre. Mais à la fin, ça s'est bien fini, parce que nous, on était là, pour notre pote, tu vois ce que je veux dire. Après, je pense que tu peux nous en parler. Ah, parce qu'en vrai, tu sais, Zoé, nous, on a mis du temps un peu à se rendre compte de ton problème. Genre, réellement, on savait, enfin, on se doutait de quelque chose et tout, mais avec Karel, Khadim et Emmanuel, en mode, on savait vraiment pas que t'étais aussi mal, quoi. Et là, en vrai, t'es bien et là, c'est sincère, tu vois. Tu dis ça, mais tu te moquais de la meuf un peu grosse sur le tableau, tu vois. Non, ça... Après, tu connais, c'était pour faire rire mon pote, tu vois, mais en réalité, je le pense pas, tu vois. Je te jure, je ne pense pas. C'est entre mecs, quoi. Si vraiment je savais que ça te faisait autant de mal, quoi, je ne l'aurais pas dit, tu vois, pour le vrai. Après, le problème, tu vois, c'est que ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression que tout le monde va forcément voir une faille dans mon corps ou un défaut. Et ouais, mais non. Ça me rend folle, tu vois. On a tous des failles, Pour de vrai, physiquement, on a tous des failles. Personne n'est parfait. Il faut que tu t'acceptes comme t'es, tu vois. Pour de vrai, là, ça fait du fond du cœur, je suis sincère. Bah, merci, hein. Là, du coup, là, tu peux faire quoi? Je sais pas, on a une longue journée après. Bah ouais, viens, on va manger là. Ouais. Après, moi j'ai pas fini mon repas. Je sais pas, je vais manger un peu alors. Un tout petit peu. Ouais, vas-y. Mais tu payes ta salade. T'es sérieux là? Ouais, bah ouais. Je sais. Tu vas voir, tu vas me payer. Je suis pas à la Banque de France, Michael.